Vas-y, vas-y. Attends. Il va partir par où? Je sais pas. C'est là? Ouais. Yeah. Très communs sur la plage, on les voit souvent creuser des trous dans le sable. Les chiens, eux, utilisent une autre technique que nous pour les capturer. Il s'agit de crabes fantômes. Ils sont charognards et se nourrissent de poissons morts, mais les plus gros peuvent même s'attaquer aux œufs de tortues marines et aux petits fraîchement sortis du nid. Quoi qu'il en soit, celui-ci n'attaquera pas grand-chose. Myriam remarque quelque chose dans le ciel. Un groupe de frégates superbes, dont l'envergure des ailes atteint 2 mètres. Le mâle est entièrement noir, la femelle a la poitrine blanche et les jeunes ont la poitrine et la tête blanches. Tels des pirates, les frégates vont littéralement voler le poisson capturé par un autre oiseau en le poursuivant jusqu'à ce qu'il lâche sa prise. Sinon, il peut capturer des poissons en surface de l'eau, mais il ne plonge pas et ne peut pas se baigner car son plumage n'est pas imperméable. On vient de trouver une carapace gardée. C'est toutes ses côtes, c'est le squelette de la tortue marine. On va le déterrer, voir s'il y a juste la carapace ou s'il y a tout le squelette. On ignore la cause de sa mort, mais ce qu'on sait, c'est que la carapace est vraiment vieille et on voit qu'elle a perdu les écailles qui la recouvraient. Il n'y a pas de crâne, ni d'ossements de pattes. Malheureusement, en voulant la déterrer, elle s'est détachée en morceaux. Décomposition. On a essayé de la garder intacte, mais elle a tout brisé. Mais c'est intéressant parce qu'on voit les côtes et la colonne vertébrale avec les plaques osseuses, les vertèbres. Ouais. C'est cool. Un peu plus loin, un oiseau capture un poisson. Il s'agit de l'aigrette neigeuse qui est dans la même famille que les hérons. On la reconnaît entre autres à ses pattes qui sont noires et ses pieds sont jaunes. Son plumage est très beau, un beau blanc. Myriam trouve quelque chose d'intéressant. Qu'est-ce que c'est? Ça semble être un œuf de tortue. Ah oui! La texture. Éclos, hein? Éclos, il reste ça. C'est un petit trou dedans, non? Non, non. C'est peut-être un œuf qui n'est jamais... L'embryon s'est jamais développé. On regarde ça dedans. Ça va le briser. Autre découverte, un poisson porc-épic mort échoué. Ces poissons doivent leur nom à leur corps couvert de longs piquants. Et je peux vous dire que ça pique. On arrive enfin à l'étang à crocodile. C'est un étang qui est situé à la limite de la plage et qui abrite un ou des crocodiles. D'ailleurs, à notre arrivée, on aperçoit des traces sur le sable. Pas de crocodile en vue, on décide donc de longer la bordure de l'étang. Un iguane vert nous observe. On en a vu quelques-uns à cet endroit. On cherche le crocodile tout en étant prudent. On sait que ces animaux maîtrisent l'art du camouflage. Ils peuvent parfois s'attaquer à nous. Mais ce sera pour une autre fois. De retour sur la plage, on remarque des belles fleurs mauves.
Ce sont les fleurs de la patate à Durand. Lâche pour la patate! Dans la même famille que la patate douce, oui, oui. Cette plante est vraiment importante parce qu'elle forme des tapis et ça l'aide à stabiliser le sol sablonneux. On observe ensuite un urubu à tête rouge. Lui, il cherche pas des patates, mais bien du poisson mort, parce que c'est un charognard. Et l'océan lui apporte beaucoup de nourriture. Il est en train de manger un beau clair. C'est un poisson marin de couleur rougeâtre et aux grands yeux, quand il en a. Cet oiseau-ci est un courlicorlieux. Courlicorlieux, c'est tout un exercice de diction, ça. Avec son long bec incurvé, il capture des invertébrés, incluant des petits crabes, comme on a vu au début de la vidéo. À notre retour à l'hôtel, on aperçoit quelques iguanes à queue épineuse qui se chauffent au soleil. Les femelles comme celle-ci sont plus petites que les mâles et leur crête dorsale est moins développée. Celui-ci est un mâle. Ah, JF, il se retient de l'attraper cette fois-ci. Ce ne fut pas le cas dans notre dernier voyage. Vous verrez ça dans une vidéo qui est déjà sur notre chaîne YouTube. Cette journée s'achève sur un magnifique coucher de soleil sur l'océan Pacifique. On n'a pas encore décidé si ce soir on va prendre ce relax ou si on repart en tournée chercher d'autres animaux. On verra. Le lendemain, on prépare une autre journée d'exploration à la plage. Et cette fois-ci, nous irons en direction sud, où nous avons vu au loin qu'il y a des habitats rocheux. À marée basse, ces endroits sont excellents pour découvrir plein de petits animaux marins. Les premiers qu'on aperçoit sont des petits crabes qui semblent se nourrir sur les roches. Ils sont petits et quand on prend le temps d'inspecter du regard, on en dénombre plusieurs. Ils se déplacent lentement, mais quand ils ont peur, ils fuient très rapidement et se cachent dans des trous dans les roches. Les crabes de rocher ont un corps presque carré et sont mouchetés de vert. Mon Dieu, que c'est la première fois de ma vie que je vois ça. Je suis trop contente que mon père ait découvert une petite pieuvre. J'adore les pieuvres. Celle-ci, c'est un jeune parce que les adultes de cette espèce peuvent mesurer jusqu'à 1 mètre. Pour mieux l'observer et la filmer aussi, on la place dans un petit aquarium de plastique. Le poulpe de Hub peut changer de couleur. Il présente un motif moucheté. Les 8 bras sont munis de ventouses très collantes et la bouche est située au centre de ceux-ci. Les pieuvres sont des prédateurs opportunistes. On voit ensuite un oursin foncé avec de longs pics. Certaines espèces d'oursins peuvent infliger de bonnes piqûres, mais celui-ci n'est pas venimeux. Par contre, les pics peuvent casser si on pile dessus, et cela peut faire très mal. La bouche des oursins est située sous leur corps, au centre. Ils se nourrissent d'algues qu'ils râpent sur les rochers. La marée commence à monter, mais on a encore le temps de fouiller. De toute façon, nous, on n'a pas peur de se mouiller. Ah, on trouve un cocon de mer sablonneux. Il s'appelle ainsi parce qu'il y a plein de grains de sable qui collent sur son corps. Ce cocon de mer se nourrit de détritus sur le fond marin. Il mange le sable et ensuite, après la digestion, le sable ressort propre. Ah, c'est bien laid, c'est comme une crotte. Il n'y en a pas des toxiques? Sûrement. C'est quoi, elle est où la tête? Non. C'est avec une petite épuisette qu'on attrape un poisson dans l'une des marelles. C'est un goby, un petit poisson de fond qui se camoufle très bien dans son environnement. Voici un crustacé tout à fait étonnant. C'est une crevette mante. Elle doit son nom à ses pattes antérieures qui lui servent à capturer ses proies. Oui, oui, comme les mantes. Repliées, ses pattes peuvent se détendre en une fraction de seconde pour saisir un petit poisson ou une crevette qui se trouve à sa portée. Notre capture suivante est d'ailleurs une crevette barrée qui aurait pu lui servir de repas. Ah, la limace est full pile! Ce nudibranche ou limace de mer,
est un mollusque marin dont plusieurs espèces sont joliment colorées. D'ailleurs, celle-ci porte des froufrous jaunes sur le dos. Tenez-vous bien, voici un as du camouflage. Le crabe araignée chevelu passe inaperçu s'il ne bouge pas. Ils sont comme collés, hein? La dernière paire de pattes, ils se tiennent après le rocher avec ça. Encore un peu plus loin. Ah, on voit bien ces traces qu'il fait dans l'eau. C'est définitivement notre coup de cœur de cette excursion au récif de roche. Fait qu'on l'a remis dans l'eau. Ben comme tantôt, c'était cute. Ouais. On voit son camouflage, là, ouais. Je pense qu'il faut chercher un petit peu ça. Fait qu'ils se cachent sur la roche, là, ils sont bien. Ouais. Notre voyage pouvait pas se terminer sans qu'on ait vu un crocodile. Faut dire aussi qu'on est retourné plusieurs fois à l'étang, sans succès. On a entendu dire qu'au terrain de golf, il y avait un crocodile résident. On s'est donc rendu et coup de chance! Un crocodile! Un beau crocodile américain d'environ 2 mètres de long. Il nageait lentement dans le lac du terrain de golf. C'est le crocodile le plus commun sur la côte ouest du Mexique. On le retrouve typiquement en eau saumâtre, mais aussi en eau douce. Fallait bien un crocodile pour qu'on nous voie sur un terrain de golf!